Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui sur le chemin qui est près de chez moi, le chemin de Compostelle qui passe juste derrière, il y a quoi, 800 mètres, quelque chose comme ça. Et je suis là pour vous dire que bientôt, mardi prochain à 19h, il va y avoir un live sur ma chaîne Randonnons, où on pourra échanger, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai. Il y aura d'autres personnes qui seront avec moi, des abonnés, des personnes peut-être qui ont des chaînes, je ne sais pas trop qui viendra, mais ça se passera mardi. Voilà, donc le rendez-vous est fixé. Je vais vous parler de mes projets, de ce que je vais faire l'année prochaine. Et puis aussi de l'expérience que j'ai du chemin, parce que j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres maintenant. L'expérience que j'ai eue aussi de voyager avec un chariot sur le chemin de Compostelle. Et puis aussi, il y a des personnes qui sont rentrées en contact avec moi, des personnes qui connaissaient Pierre avant qu'il fasse le chemin de Compostelle et qui n'avaient plus aucun contact avec lui, qui m'ont un peu malmené sur les réseaux sociaux en proliférant des insultes et tous ces trucs-là. Vous avez sûrement dû voir passer des messages que j'ai pas pu effacer. Mais bon, maintenant, tout ça est derrière nous. Et bon, ça se calme avec le temps. Voilà, et Pierre, maintenant, il peut être tranquille et reposer en paix. Il méritait pas tout ce remue-ménage. Voilà. C'était quelqu'un de très bien. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous l'avez peut-être connu vous aussi sur ces vidéos ou avec moi quand on a fait toutes nos activités toute cette année. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette brève vidéo et puis à très vite dans 3 jours pour le direct. Des bisous à tout le monde. Au revoir.